Mercredi le 5 octobre 2022. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui. On va parler du Canadien en long et en large avec nos panélistes invités, François Gagnon et Benoît Brunet qui vont se joindre à nous. Des petites nouvelles du côté du Canadien. On aura également un petit résumé des propos de Martin Saint-Louis après le match hier. C'est congé pour le Canadien aujourd'hui. Donc, on va vous présenter ça dans les prochaines minutes. Salutations aux gens qui nous suivent à la télé via RDS. Sur le web, sur rds.ca, Facebook On Jase, Facebook RDS, ainsi que sur YouTube. Monsieur Lemay, comment allez-vous ce midi? Je vais bien. Merci de demander. Là, j'ai hâte que le Canadien ait une formation complète pour que ça joue un petit peu mieux. Du côté du Canadien, il en reste deux contre les Sénateurs d'Ottawa. On va discuter de ça, bien sûr, du match hier, de ce qui s'en vient. Puis là, je me rends compte que je vais être pas mal allumé au sujet d'un de nos sujets, ou sinon le premier sujet, avec François Gagnon. Salutations aujourd'hui. Comment dire, François? Je vais t'appeler Yannick. Yannick, le temps frais commence à s'installer. Et là, présentement, c'est le meilleur temps pour travailler dans la construction. Il ne fait pas trop froid. Il ne fait pas trop chaud à te faire cuire sur un toit ou sur une toiture à 40. Fait qu'un petit 9, un petit 12, dépendamment où ce que vous êtes, c'est les températures parfaites pour les gars qui travaillent dehors 12 mois par année, les gars de la construction. Salutations, puis merci d'écouter On Jase sur votre heure de lunch. Effectivement, je me joins à toi pour les salutations. On va aller du côté de Martin Saint-Louis. Puisque c'est congé aujourd'hui, on a fait un petit résumé des propos qu'il a tenus hier après le match. Écoute, on veut jouer là, avec notre équipe. On n'a pas été repêché. Fait que pour être où ce qui est là, aujourd'hui, ça prend pas mal de confiance. Fait que tu vois qu'il... Mais c'est pas une confiance arrogante. C'est une confiance calme, mais décisive. Tu vois qu'il il y a pas beaucoup d'hésitation dans sa confiance. C'est vraiment la vraie confiance personnelle. Son éthique de travail, c'est un compétiteur. Il joue beaucoup de batailles dans lui, beaucoup de courage. Tu sais qu'est-ce que tu as à tous les matchs avec Hervé Pinard. Et il est le fun d'avoir joué. Oui, c'est sûr, comme Divo Galley, des gars que j'aime savoir ensemble. Doc, j'essaie de savoir c'est qui qu'on peut mettre avec lui. Monahan aussi. C'est quelque chose, je pense, qui ça arrive pas au jour au lendemain de voir quel duo qui marche. Mais oui, j'aime ça marcher en duo. Des fois, tu peux juste changer un gars de sur une ligne puis amener un petit différent look, mettre encore pareil l'identité de cette ligne-là. C'était correct. C'est pas comme s'il était découragé ou... C'est des choses qui arrivent. Puis, ça fait partie de la game. Mais moi, je trouve qu'il a bien géré ça. Puis ça arrive à tout le monde. Ouais. Ben d'accord avec tout ce que Martin Saint-Louis a dit. Puis c'est un beau résumé. Seule affaire, moi, je me demande, j'ai un petit TDA, fait que des fois, je focus sur des affaires bizarres. Je me demande qu'est-ce qui arriverait à Martin Saint-Louis si on y enlevait son bouchon pendant qu'il jase. Fait que moi, c'est juste ça qui m'agit. François. C'est vrai que ça arrive. Beau chandail. Beau chandail d'automne, mon François, c'est en plein dans la saison. Oui. Puis je pense que, tu sais, tantôt je parlais avec Valérie. Commençons si tu veux, puis on pourrait revenir tantôt avec le point de presse de Martin Saint-Louis qui a été dit, mais commençons avec la signature de Logan Mailloux qui a été confirmée ce matin. Si vous voulez bien, les gars, s'il y a un éléphant dans la pièce, on va le régler tout de suite. Ben, en fait, il y a deux éléphants dans la pièce. Il y a Logan Mailloux que le Canadien a mis sous contrat. On sait tout ce qui s'est passé après la sélection qui a été faite de Mailloux, alors que la Ligue nationale n'avait pas ordonné aux équipes de le balayer du revers de la main. Mais même le jeune homme, à cause de ce qui était arrivé en Suède, je pense que tout le monde sait ce qui s'est passé, là. Une photo intime qu'il a dévoilée à ses coéquipiers. Il y a eu une plainte auprès de la police suédoise. Il a reconnu ses torts, a eu une amende. Donc, c'est là où je m'en vais avec ça. Le petit gars, il a admis, il a avoué, il a payé.
Il a été, je vous dirais, vilipendé à droite et à gauche. On a parlé de ça en long et en large pendant des mois. Le Canadien a décidé de le mettre sous contrat aujourd'hui. Je pense que Benoît va en parler beaucoup plus tantôt. Et vous aurez aussi un commentaire de Kent Hughes. Je n'ai pas entendu le commentaire de Kent Hughes, mais on va le voir, le ma réaction... Ah ben si vous le montrez, là, ma réaction, moi, par rapport à ça, c'est de dire, écoute, le jeune homme a traversé tout ce qu'il avait à traverser comme... Je me sens en guillemets là, comme pénitence. Ça excuse pas tout ce qui a été fait, mais on remarque quand même un sentiment de culpabilité et une réaction positive par rapport à ça. Donc, on peut lui permettre de reprendre sa vie et de redevenir le joueur de hockey que le Canadien espère qu'il sera. Ça, c'est le premier éléphant. Mais j'ai pas la même, je te dirais, la même tolérance à l'endroit de Hockey Canada, qui non seulement... est loin de reconnaître ses torts, mais continue à dire à tout le monde qu'ils ont eu raison de cacher aux Canadiens au grand complet, au gouvernement qui finance, aux parents qui financent cet organisme-là, qui ont eu raison dédommager une victime d'agression sexuelle, de viol collectif. Et là, je dis pas que c'est pas une bonne chose pour la victime d'avoir été dédommagée, parce que elle, ça l'empêche d'avoir à aller témoigner devant les tribunaux. Sauf qu'il y a un autre volet à ça. C'est qu'en faisant ça, on a protégé l'organisme, on a protégé des jeunes qui devraient avoir à faire comme Mayu a fait, c'est-à-dire à payer pour les actes qui ont été commis. Et ça, là, c'est pas fait. Et c'est une culture du mensonge, c'est une culture de « Ah, nous autres, on peut se permettre n'importe quoi ». Et c'est pour ça qu'il est crucial que tous les membres du conseil d'administration qui sont actuellement en poste soient eux tassés, puis tassés solidement, de manière à donner les rênes de cet organisme-là à des nouveaux gens qui amèneront une nouvelle philosophie et qui permettront de ravoir confiance en eux. Et je salue ici tous les dirigeants de Hockey Québec qui, face ouais. à l'ineptie de Hockey Canada, face au manque de... Je te dirais juste au manque de jugement de Hockey Canada, on dit... Parfait, messieurs, dames. Je dis messieurs, dames parce que c'est Andrea Skinner qui est la présidente par intérim. On coupe les vivres. On n'envoie plus à Hockey Canada ce qui est perçu auprès des parents. C'est 3 $ par enfant inscrit à Hockey Québec qui s'en va à Ottawa. On ne vous envoie pas ça en guise de protestation. Et là, j'ai bien hâte de voir si les autres provinces vont suivre parce que ça va être comme ça qu'on va réussir à faire... Pas faire comprendre aux gens qui sont là. Ils veulent rien comprendre. Ils ont eu l'occasion de comprendre et ils sont dans le déni complet, mais de les changer purement et simplement et repartir sur des bases nouvelles. François, je veux juste ajouter là-dessus avant qu'on revienne dans nos sujets du Canadien, parce que je suis assez bien placé pour en parler. Là, tu le sais, avec la présidence que j'occupe à la Ligue M18-3A. Et ce matin, lorsque j'ai eu la confirmation de Hockey Québec qu'on arrêtait d'envoyer des sous à Hockey Canada, j'étais pas mal content. Enfin, le Québec se tient dans ça, puis je pense que ce n'est que le début. Ça va débouler parce qu'il y a effectivement, je vais faire attention à mes mots, là, mais effectivement quelque chose qui gangrène Hockey Canada, là, puis ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Il faut que ça change. La vieille mentalité puis la vieille garde, là, je comprends pas que ces gens-là veulent tout rester en poste. Ça s'accroche à quoi, là? La grandeur du pays... veut que le ménage soit fait, bien, faisons-le, puis repartons sur des nouvelles bases, puis essayons de travailler dans le sens plus normal, plus 2022, pour que ça change. Il faut donner l'exemple. Quand tu es à la tête d'un organisme comme Hockey Canada, tu es supposé donner l'exemple, ça réjaillit sur Hockey Québec, Hockey Ontario, Hockey Maritime, peu importe, puis ensuite sur les ligues provinciales. Là, ce n'est pas le signal qu'ils envoient à Hockey Canada. Désolé, messieurs, là, mais il est temps que ça change. Oui, j'aimerais que tu aies raison, mais quand je parle à des collègues qui sont dans les provinces de l'Ouest, ils se demandent un peu, « Coulon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à venir fou là-dessus? » Il y a des réactions intempestives en Ontario, il y en a au Québec. Je peux pas dire des Maritimes, j'ai pas fait de vérification de ce côté-là, mais dans l'Ouest canadien... Un peu, mais pas assez. Alors, c'est pour ça qu'il faut saluer l'élan de Hockey Québec et s'assurer que ça va donner, tu sais, le premier domino qui va en faire tomber plusieurs pour qu'une fois que les 10 provinces et les 3 territoires, ces dominos vont être tombés, bien que le gros domino de Hockey Canada va, lui, pas juste tomber, mais va s'effriter pour qu'on puisse souffler là-dessus comme de la poussière et puis qu'on puisse dire, oh,
c'est un mauvais souvenir et qu'on donne ça à d'autres personnes qui vont donner un sens plus, je te dirais, intelligent à cet organisme-là. Et peut-être, ou ce serait peut-être le temps de regarder au Québec, hein? Ça, c'est le Far West là-bas, là. Puis c'est un country club de l'Ouest canadien. Quand tu décides d'accepter de travailler chez Hockey Canada, tu déménages à Calgary. Alors, il y a des gens compétents des autres provinces qui peut-être disent, mais c'est-tu quoi? Moi, je suis bien ici, puis je ne peux pas m'exiler là-bas. Alors, il faudrait peut-être qu'il y ait une meilleure représentation territoriale à Hockey Canada. Et puis peut-être qu'au Québec, ici, là, Danny Dubé, qui a déjà été là, Marc Denis, Jocelyn Thibault, puis là, je nomme des candidatures normales, Stéphane Quintal, Daniel Sauvageau, qui a été la grande entraîneur de l'équipe canadienne qui a gagné des médailles d'or. Tu sais, peut-être que ces gens-là pourraient amener un souffle nouveau. Puis là, je dis ça au Québec parce que nous, on est au Québec, mais j'espère qu'en Ontario, il y a des gens qui disent « Hey, nous autres aussi, on a des candidats », que dans les Maritimes, on dit ça. Mais pour arriver à ça, il faut qu'unanimement, from coast to coast to coast, qu'on dise « Hey, la gang, d'avoir, puis ça presse. Je pense que les gars, vous le savez, c'est un sujet qui me rend, un sujet très chaud qui me rend complètement fou de rage. Premièrement, ça, je vais commencer avec Logan Mailloux. Tu sais, il y a des gens, puis entre autres, il y a des gens qui réécrivent leur message deux puis trois fois pour être sûr qu'on le voit. Tu sais. Monsieur Gagné qui écrit « On peut-tu lâcher Mailloux tranquille? » Oui, mais c'est ce que François vient de dire. Il a payé sa dette, c'est ce qu'on... Des fois, ça devient une conversation de sourds. Logan Mailloux a fait des choses, puis il a payé sa dette. C'est exactement ce que François a expliqué. Là. Puis s'il y avait une dette à payer, lui a dit « Quelle est la dette? J'ai fait une faute et je vais réparer ma dette à la société. » Il a payé, il a dit pas le repêcher, puis là, il suit des cours. Ou, il fait tout ce qu'on lui demande. Fait qu'à moins que vous ne soyez pas pour la réinsertion sociale, puis vous n'êtes pas pour le pardon, puis vous n'êtes pas pour la deuxième chance, on change de sujet. Mailloux, le Canadien, l'a signé. Tu as deux ans pour signer un gars que tu as repêché, sinon tu le perds. Logan Mailloux, même si ça met bien gros les défenseurs, les jeunes défenseurs du Canadien, plusieurs passent à l'intérieur du club de hockey canadien que c'est peut-être lui la perle à la, du futur de la défensive du Canadien. Ça, c'est pour Logan Mailloux. Complètement autre chose, Hockey Canada. Non seulement ce que tu as dit, François, de dire ces gens-là ont dit que c'était la meilleure décision. Ils viennent de dire ça, là, que c'était la meilleure décision et que présentement, ils sont en train de mettre des systèmes pour changer la culture. Mais le paiement, l'arrangement pour la fille en 2018 a été fait cet été. Ça veut dire que dans leur nouveau système, eux, si ça recommençait cette situation-là, ils repayeraient encore parce qu'ils pensent que c'était la même chose à faire. Alors que Hockey Québec, je pense que quand ils ont entendu ça hier, là, ils ont dit « là, c'est assez ». Puis ils ont décidé de garder leur argent parce que Paul, Maurice, Jean-François, Simon, je vais y aller avec Maryse, Marie-France, tous les parents, hommes et femmes, qui payent une cotisation pour leur enfant, ne payent pas ça pour qu'on cache des crimes sexuels commis par des jeunes adultes, c'est des jeunes hommes. Bon sens. Encore plus ouais. Hockey Canada, quand ils payent ça, ça veut dire qu'ils renvoient dans la nature des agresseurs sexuels qui, eux, dans leur tête, se disent « Hey, je l'ai fait une fois, je peux le refaire, je vais payer pour m'en sortir anyway. » Fait qu'on renvoie dans la nature des agresseurs sexuels qui pourraient s'en prendre à mes enfants, aux enfants des gens qui nous écoutent. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Puis c'est pour ça que faut que ça soit table rase dans Hockey Canada. Puis, excusez-moi, là, pas juste table rase, voulez-vous vous retirer, s'il vous plaît? À couper dans le cul. C'est tout. Fais pas de violence, fais pas de violence. Mais tu as utilisé un mot qui, pour moi, est essentiel. Caché. Alors, disons qu'on écoute les points de vue des gens de Hockey Canada puis qu'ils défendent. On les laisse se défendre, là, puis on les laisse essayer de nous expliquer à quel point c'était une bonne idée de préparer pas juste un, mais deux fonds importants pour dédommager des victimes au cas qu'il y ait des victimes. Si c'était une si bonne idée que ça, pourquoi pas le dire au grand jour? Pourquoi pas dire, « Hey, nous autres, là, on vient d'avoir une idée de génie, nous autres, à Hockey Canada, on a décidé de prendre l'argent que vous nous donnez puis de se créer un fonds de 3, 4, 5 millions au cas où que nos jeunes joueurs qui défendent les couleurs du Canada auraient des propres comportements inappropriés et qu'il faudrait payer. » Puis là, depuis la fin des années 80, on l'a vu, là, c'est une vingtaine de dédommagements qui ont été donnés. Et soit dit en passant,
Il y a plein de clubs de la Ligue nationale qui ont des situations comme celle-là où on a, je dis pas acheté, mais compensé des victimes. Souvenez-vous, Réjean, notre ami Réjean Tremblay, dans l'Ancien Compte, il en a déjà parlé. S'il en a parlé dans l'Ancien Compte, c'est parce qu'il y avait un petit côté véridique dans la vraie vie. Alors, il peut l'avoir romancé un peu. Mais tu sais, je reviens à ça. Si c'était une si bonne idée, pourquoi pas le dire au grand jour pour voir la réaction des gens? Peut-être qu'à ce moment-là, tous ceux que tu as nommés tantôt, hommes et femmes, parents de jeunes joueurs et de jeunes joueuses de hockey qui envoient de l'argent à Hockey Québec pour l'envoyer ensuite à Hockey Canada, peut-être qu'ils auraient dit « Hey, c'est à ça que ça sert, mon argent. Puis mon argent, ça sert à avoir un condo proche du domicile des Maple Leafs au cœur de Toronto à grands coups pour avoir... Qu'est-ce qui se passe là? Je le sais pas. » Hey, non, c'est ça, là. Quand c'est des bonnes idées, on en parle, on les dévoile, on est fiers de nos idées. Quand c'est des plans de cabochon, comme cette affaire-là, tu fais ça en catimini, puis ça te saute d'en face comme ça leur a sauté d'en face depuis quoi, là? Depuis presque 3, 4, 5 mois qu'on parle de ça. De toute façon, ça va arrêter parce qu'ils n'auront pas le choix. Le financement est coupé de partout, là, au niveau des commandites, au niveau du gouvernement. Et là, en plus, les associations comme Hockey Québec, on appelle ça les associations territoriales, là, coupe les vives aussi. Donc, à un moment donné, à part, comme tu as dit, François, à part l'ouest du pays, là, qu'eux autres iraient juste au plus tard, il n'y aurait plus d'argent qui va rentrer au Canada. Ça va coincer. À un moment donné, il va se passer quelque chose. Ça, puis, c'est sûr. Ça, puis, tu le sais comme moi, là, il y a des élections qui s'en viennent au mois de novembre. Ce sont les territoires, les 10 provinces et les 3 territoires qui ont des votes en fonction du nombre de leur poids, si tu veux, au niveau des jeunes joueurs et jeunes joueuses de hockey au sein de Hockey Québec qui ont les inscriptions, qui ont le nombre de votes. Alors, l'occasion va être belle pour dire à cette gang-là qu'il y en a peut-être qui vont se représenter. Là. Alors, remarque que ça prendrait du culot en bâtisse pour se représenter d'une situation comme celle-là, mais de dire on vote pour quelqu'un d'autre. La seule crainte que j'ai, c'est que y a-tu quelqu'un qui va vouloir embarquer là-dedans alors que le bateau est en train de couler pour le rafistoler puis le ramener à surface? Et s'il y en a, est-ce qu'ils ont le temps de bien se préparer en vue des élections qui arrivent pour s'assurer de passer devant ces politicoïeux-là qui sont installés puis qui runnent le show sans qu'on sache trop où ils s'en vont puis qui se protègent un l'autre? En tout cas, on en a parlé pas mal. L'important, c'est que le message soit clair. Pour le vote, là, il y a, ce que j'ai compris, là, il y a 5 votes au Québec, 5 votes en Ontario. Après ça, ça coûte 3 puis ça coûte 2 dans les autres provinces du Québec. Fait que, garde, on cherche tout le monde. C'est qui le boss de ces gars-là pour pouvoir s'en débarrasser? Puis là, on semble comprendre que c'est les associations comme Hockey Québec, Hockey Ontario, qui c'est eux autres qui vont pouvoir, avec leur vote, leur donner un vote de confiance ou non. Visiblement, le Québec a mis son pas d'un beau côté de la ligne en décidant de ne plus envoyer ses cotisations. Yann, je pense que tu voulais aller, tu voulais enchaîner avec les autres sujets, je pense. Oui, bien, on va y aller avec les autres, mais je vais juste fermer la parenthèse en disant que pas besoin de voir que le vote du Québec, de quel côté qu'il va aller, là, en coupant les vives aujourd'hui puis en l'annonçant officiellement, vous venez de comprendre que le Québec, je pense qu'on on a tous été consultés là, avec, je parle des ligues comme le M18, on a tous été très clairs là-dessus. Donc, on verra pour la suite, mais c'est un sujet qui va continuer à faire couler beaucoup d'angle. Revenons à nos Canadiens, qui sont 0-6. Oui, pas facile là non plus. Par contre, il y a une chose qui se confirme, c'est que Martin Saint-Louis l'a dit tantôt, hier après le match, en fait, mais on vous l'a présenté tantôt. Il y a des duos qui se confirment, et déjà Suzuki et Caulfield, c'est pas une grande surprise, là, mais c'est une complicité confirmée, François. Bien, c'est le titre de ma chronique ce matin sur RDS.ca, puis j'avais hâte de voir Suzuki arriver. Tu sais, il a manqué le camp d'entraînement, une blessure, on disait que c'était mineur, mais quand même, t'as pas d'activité. Écoute, on aurait juré qu'il avait joué 2-3 matchs depuis le début du camp en préparatoire parce qu'il a été vraiment très solide hier. Et on a vu la complicité qui est revenue, je te dirais, immédiatement avec Caulfield. Alors ça, pour moi, c'est important. Parce que les sources de satisfaction cette année chez le Canadien, là, je vous l'annonce en grande primeur, elles seront minces. Alors, il va falloir se contenter de choses comme celle-là, de voir Caulfield et Suzuki se trouver sur la patinoire, peu importe qui jouera à droite avec eux, et puis de voir des buts qui ont été comme celui qui a été marqué par Caulfield en avantage numérique. D'ailleurs, j'y en prédis entre 12 et 15 à Caulfield en avantage numérique sur des tirs de réception avec des passes savantes comme celles que Suzuki a faites hier. Donc ça, c'est un duo. J'ai demandé c'est dans les extraits de Martin Saint-Louis. Tantôt, c'était ma question à Saint-Louis parce que, tu sais,
On le sait, là, il y a des coachs qui ont différentes philosophies. Je voulais savoir si Martin Saint-Louis avait la philosophie des duos. Au moins, ça, il l'a confirmé. Maintenant, il faut les compléter. Et tu peux modifier tes duos selon tes besoins particuliers, selon l'adversaire que tu affrontes aussi. Alors, Caulfield et Suzuki, ça va. On va s'entendre que c'est probablement sur le premier trio. On descend jusqu'au quatrième, puis c'est pas parce que je les aime pas, mais c'est probablement là qu'ils vont se retrouver. On a le même genre de complicité, peut-être même meilleur encore. Je vous dis pas qu'ils sont aussi bons au hockey, mais la complicité qui lie en ce moment Jake Evans et Rem Pitlick, mon Dieu, ils sont beaux à voir aller sur la glace. C'est pas élégant, là, mais ils sont rapides, ils sont hargneux. Ils vont tout partout, ils se défoncent à l'ouvrage. Et Rem Pitlick a dit que Jake Evans était un très bon passeur. En plus, il a gagné la grande majorité de ses mises en jeu hier. Quand j'ai parlé à Pitlick dans le vestiaire hier soir, j'ai dit, vous ressemblez à des machines à boules, tu sais, les boules, des boules d'acier qui sont partout. Pas sûr qu'il était content de ma comparaison. Puis là, j'étais obligé de dire, hey, c'est un compliment. Puis là, il a dit, OK, mais il dit, c'est vrai qu'on patine fort, c'est vrai qu'on travaille fort, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on doit jouer pour garder notre place. Mais il dit, on veut pas juste être ça. On veut contribuer offensivement. Alors, voilà un beau duo. Hier, c'était Armia qui était là. Est-ce que c'est le meilleur joueur pour être là? Peut-être, mais encore là, il pourrait avoir des permutations. Et ça va être inévitable en raison des blessures. Martin Saint-Louis, c'était pas une question. C'est lui qui est allé de l'avant avec Dvorak Gallagher. Alors, voilà ce qui pourrait être un deuxième ou un troisième trio. Peu importe qui sera avec eux à droite. Puis là, il va rester à savoir qui est-ce qui va jouer avec Doc. Et est-ce qu'il va être capable, lui, de créer de la complicité avec un Drouin, avec un Hoffman? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est Anderson qui est le meilleur joueur pour aller à la droite de Caulfield et Suzuki. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent voir Slavkovski. Moi, Slavkovski, je veux le voir par là-bas, à Laval, pour le moment et pour la plus grande partie de la saison, à moins d'un miracle. François, quand tu as parlé avec comment dire, Rémillard, voyons, celui qui joue avec Evan, j'ai un blanc, là. Rem Pitlick. Manuel l'appelait Rémillard. C'est vrai que c'est pareil. C'est vrai que c'est pareil, c'est proche. Je ne sais pas où tu l'as pris, celle-là, mais écoute, elle est tombée du ciel, boum! Bienvenue dans ma tête, bienvenue dans ma tête. Quand tu as parlé avec Pitlick, puis tu l'as appelé la boule de machine à boules, c'est quoi tu lui as dit? You look like a pinball? Parce que ça se peut qu'il l'aille marqué. Oui. You look like two balls in a pinball machine going everywhere but touching the targets, tu sais. Fait que. J'adore ça. Moi, je vais vous le dire, là, c'est pas ma meilleure comparaison en carrière, mais il a trouvé ça drôle, puis on a continué à parler après ça. Fait que il l'a pas pris trop. Il s'est pas senti trop blessé, heureusement. Ben oui, j'adore ça. J'adore ton sens de l'humour. Il y a une affaire, par exemple. Guy, hier, sur nos ondes, il a dit perdre en match en concours, c'est correct. T'sais, Bob Hartley a dit moi, si on m'avait jugé sur mes matchs en concours, j'aurais même pas coaché un club Québec. Un club, puis oui. Mais là, Martin Saint-Louis, hier, il avait l'air tanné, puis il a dit j'ai hâte d'avoir mon équipe, puis j'ai hâte que ça commence. Puis il a raison à quelque part. Je vais juste t'entendre parler là-dessus. Là. Je vais juste faire une petite pause. Fait que lui aussi, le Martin Saint-Louis, il a hâte d'avoir son équipe puis avoir des chances de gagner pour partir. Tu sais, on a beau dire que c'est les matchs en concours puis ça compte pas, mais tu veux pas rentrer en saison avec 8 défaites de suite. Là. Non, mais les défaites, c'est moins grave. Comme hier, là, sur les médias sociaux, puis je regardais le monde partir en dessous de la galerie de presse, le monde partait avec le sourire parce que Caulfield et Suzuki leur ont donné de la satisfaction. Alors, match préparatoire, moi, ce que je veux, c'est justement le thème de ma chronique, la complicité. Il faut que tu vois ça. Il faut que tu vois une progression. Les résultats viendront. C'est sûr que tu as mieux gagné, mais tu sais, il faut que tu regardes contre qui tu joues. Là. Hier, les Sénateurs avaient un alignement qui va ressembler à leur alignement pour le premier match de la saison. C'était plus fort que l'alignement du Canadien. Malgré ça, il y a des joueurs qui se sont démarqués. Mais là, il en reste juste deux matchs préparatoires. Bon, on ne se comptera pas d'histoire. Là. Les 82 matchs de cette année en saison régulière, ça va être un long camp d'entraînement pour les 2-3 prochaines saisons. Alors, des expériences, il va en avoir dans 10, 15, 20 premières parties, et ce sera normal. Mais tu ne veux pas faire ça en accumulant trop de défaites. Ça, tu as raison là-dessus. Ça prend un remontant de temps en temps, et pour le coach, et pour que les joueurs continuent à croire au message du coach. Parce que là, tout le monde dit que c'est bien beau, Martin Saint-Louis est extraordinaire, et je suis d'accord avec eux autres qui amènent des choses qui sont vraiment
intéressante. Vous l'avez vu hier, là, faire des ronds puis des carrés sur la patinoire en désavantage numérique en disant « Hey, toi, si tu t'en vas de là, hey, regarde tout ce que tu offres. » Puis on l'a vu hier soir avec le but de Brincat, là, le Canadien va être vulnérable en désavantage numérique. Donc, il travaille très bien. Mais pour que le message passe toujours, il faut que tu aies des résultats de temps en temps. Le Canadien ne gagnera pas 45 matchs cette année, là. Alors, il va falloir avoir des satisfactions de temps en temps, justement pour s'assurer que le moral va rester au beau fixe et que l'enseignement va pouvoir se faire. François, avant d'enchaîner avec ton dernier sujet, je veux juste mentionner aux gens, parce qu'on vient de me dire à l'oreille que à 12h30, au retour des gens de la télé, on va présenter des clips là, de Justin Trudeau et de la ministre Pascale Saint-Onge, qui réaction à chaud ce matin, qu'on vient de recevoir grâce à nos collègues de la salle des nouvelles. Donc, tu pourras rester avec nous pour ce court segment. Pour nous y amener, est-ce que le Canadien pourrait être tenté de regarder vers les joueurs disponibles au ballottage pour peut-être aller chercher un défenseur avec un peu plus d'expérience? Parce que ça t'inquiète un peu, là, la jeunesse à la ligne bleue du Canadien. Ça m'inquiète plus qu'un peu, parce que on parlait de complicité tantôt avec les trios d'attaquants, puis il y en a de la belle complicité déjà, puis il y en a qui va se développer. En arrière, en ce moment, j'ai de la misère à identifier de la complicité qui va être productive. Bon, on a vu Goulet avec Savard, ça pourrait être un duo. Goulet a fait une gaffe en fin de match, là, mais honnêtement, il dispute des bonnes parties, et pour moi, c'est le seul qui est prêt à faire le saut pour vrai. Jordan Harris... Il a du talent, c'est indéniable. Il a un beau coup de patin, une belle fluidité, mais j'ai l'impression qu'il a besoin de millage un petit peu dans le hockey professionnel pour trouver l'aisance dont il a besoin pour jouer. Puis, dans les autres duos qu'on a vus depuis le début du camp d'entraînement, c'était dur de trouver un genre de complicité. Mike Matheson a été excellent depuis le début du camp, mais ça va être qui le meilleur pour jouer avec lui? On ne le sait pas. Puis Joel Edmundson est blessé ici, dans le dos. Ceux qui ont déjà été blessés dans le dos, vous savez que pendant 10 minutes, ça ne va pas pire. 10 minutes après, c'est la fin du monde. Alors, quand on dit au jour le jour, ça peut devenir de semaine en semaine, ça peut devenir de mois en mois, exactement comme ça a été l'an dernier. Alors, si on a des doutes quant à l'entrée en scène de Joel Edmundson, ça va prendre un vétéran, un gars d'expérience qui va venir manger des minutes puis qui s'en fera pas, lui, à savoir c'est qui va jouer à sa gauche ou à sa droite, dépendamment si c'est un gars qui joue à gauche ou à droite ou des deux côtés, idéalement, parce que le Canadien est maintenant très vulnérable en arrière et ça n'enlève rien au potentiel de tous ces jeunes-là. Tu sais, Arber Jekai, je l'aime beaucoup. Il a encore connu un pas pire match hier. Mais quand ça se met à jouer vite autour de lui, ça va trop vite. Puis c'est normal. Il y a la stature, il y a, je dirais, l'élément robustesse, mais on joue au hockey, là. Il sort du junior, t'as raison. Puis en plus, à la stature qu'il a, il va pas juste avoir affaire aux gars qui sont vite et bons, qui vont sauter sa glace quand lui va sauter sa patinoire, mais de temps en temps, il va avoir affaire aux grands, gros et forts des autres clubs. Alors, il va être attaqué de tous les bords, de tous côtés. Moi, je le vois peut-être comme septième, mais il ne peut pas avoir en ce moment un rôle régulier. Et je répète, ça ne lui enlève aucunement à ses qualités. Et c'est pas ça où je vais. Même chose pour Harris, je l'ai dit. Barron, il a besoin de millage dans la Ligue américaine. Schooneman, il a de l'expérience. L'an passé, il était là. À date, je vous dirais qu'en match préparatoire, il m'a déçu un peu parce que lui, je me disais... Lui, je le comptais parmi les défenseurs. Et en ce moment, il va peut-être rester, mais il va rester par dépit. Alors, tout ça, pour moi, fait que lorsque les 31 autres formations vont déposer leur liste de protection, il va avoir des vétérans défenseurs disponibles. Si le Canadien peut s'en payer un et le placer sous le plafond salarial ou même au-dessus en raison de l'allègement qui va être attribuable à la blessure à long terme de Carey Price, il devrait sauter là-dessus. Oui, mais comme Marc Denis a déjà dit sur nos ondes, peut-être que le Canadien va devoir faire le ménage de sa sou à cochon avant d'en rentrer un autre. Avec les contrats et etc. Donc, je te trouve. Faut que tu fasses le ménage, François, avant de rentrer un nouveau meuble. Non, mais. C'est parce qu'en ce moment, là, il y a un grand vide. Là. Fait que ça te prend, tu sais, il n'y a pas besoin d'être beau, le meuble, tu sais, puis il n'y a pas besoin d'être neuf, il peut être cabossé puis mal peinturé, mais ça en prend un en ce moment-là.
Oh oui, non, je suis d'accord. Mais tu sais, quand tu rentres un vieux meuble, normalement, c'est une antiquité, puis c'est gros, ça, une antiquité, tu sais. Que... Si, moi, qui essayais d'être nous, moi qui essayais d'être positif, les gars, là, tu parles de sous à cochon et tu parles d'antiquité. Hey, là! Mais, ouais. D'habitude, c'est moi qui se fais dire qu'il est trop négatif. Ouais, on va laisser ça de même, comme les gens de la télé vont faire quoi? Qu'est-ce que j'ai manqué? Quand? Ils ont parlé de sous à cochon? Ouais, c'est vrai. Vous irez sur Internet. Allez voir sur le web. C'est ça, exact. Ouais, allez voir sur le web. Ceux qui étaient avec nous au début d'émission, bon, on a parlé de Logan Mailloux, ça nous a amené sur le sujet de Hockey Canada. François, avant de te laisser, parce que je sais que ça t'intéresse, nos collègues de Radio-Canada là, à Ottawa ont récupéré les commentaires du premier ministre Justin Trudeau, de la ministre également Pascal Saint-Onge en réaction à toutes ces allégations concernant Hockey Canada. Et on va vous présenter ces clips avec une courte réaction avant d'aller retrouver Benoît Burnet. Je comprends entièrement le choix d'Hockey Québec qui a perdu confiance dans Hockey Canada, comme nous tous ici à Ottawa, comme des parents d'un côté à l'autre, d'un bout à l'autre de ce pays. Plus d'organisations que juste Hockey Québec vont décider que non, pour protéger nos jeunes, pour protéger ce sport qu'on adore tous au Canada, on a besoin de voir des changements profonds à Hockey Canada. Bien, je pense que le mouvement pour réformer Hockey Canada est engagé avec la décision d'Hockey Québec ce matin. Le message qui est envoyé aux dirigeants de Hockey Canada qui s'accrochent à leur poste, c'est que Hockey Canada leur appartient pas, ça appartient aussi à ses membres. Et tout le monde est d'accord en ce moment pour dire que ça prend un changement de la culture du côté du hockey, particulièrement en ce qui a trait aux violences sexuelles. Voilà, donc les échos de la décision de Hockey Québec là, fait écho partout au pays, jusqu'à Ottawa évidemment ce matin. Moi, je suis content d'entendre ça, François. Une réaction à chaud avant qu'on se laisse? Réaction à chaud, puis c'est parce que j'ai répondu à quelqu'un qui me posait la question tantôt sur Twitter. Là. Pour toi, pour moi, pour Martin, c'est normal parce qu'on le connaît. Mais les gens se disent, OK, mais pourquoi les politiciens font juste parler puis ils émettent pas dehors? C'est très simple, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas de pouvoir d'autorité sur Hockey Canada. Ce que le gouvernement peut faire, et c'est ça que le gouvernement a fait aussi, il a coupé ses subventions à Hockey Canada. Dans la foulée des grands commanditaires, Tim Hortons, SO Impérial, puis j'en oublie un ou deux, là, puis je m'en veux de ne pas les avoir au complet, qui ont dit à Hockey Canada, regardez, vous prenez ce sentier-là, nous, on ne peut pas se permettre de vous suivre là-dedans parce que ça n'a aucun sens. Juste là, il aurait dû comprendre. Mais non! Cette gang de 100 génies-là, ils ont pensé que c'était eux autres les génies, puis ils sont enlisés et continuent à enliser. Alors, ce que le gouvernement a dit ce matin, par le biais du premier ministre, M. Trudeau, par le biais de Mme Saint-Onge, la ministre du Sport, c'est de dire, on va le plus loin où on peut aller, on suggère, on encourage les fédérations provinciales et territoriales à suivre le mouvement du Québec, puis le message va être lancé. Je le disais tantôt, c'est un jeu de dominos. Il faut qu'il y en ait 13 qui tombent pour que toute la gang à Hockey Canada dans l'Ouest, là, à Calgary, puisse tomber eux autres aussi, qu'on reparte sur des bases nouvelles. C'est ça qui est important. Puis que ceux qui vont arriver vont dire, regardez, là, nous autres, on se dissocie de ça complètement. Puis le pire, là, c'est que ceux qui sont là en ce moment auraient pu se dissocier de tout ça en disant, oui, mais c'est une culture qui remonte à tellement longtemps, puis là, nous, on la maintiendra pas. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Non seulement ils l'ont maintenue, mais là, ils la défendent et ils tentent de la défendre alors que le simple gros bon sens prouve, hors de tout doute raisonnable, qu'il n'y a pas moyen de défendre leur position. Absolument. Puis je sais que Trudeau l'avait déjà fait la sortie, là, mais là, tout le monde reprend, même le journaliste de TSN, Westhead, reprend les propos de M. Trudeau qui cite Hockey Québec. Tu sais, quand on dit, là... Faites des choses, n'ayez pas peur d'être le premier au lieu d'être un Christy de suiveux, être en avant de la parade. Pour moi, je n'ai parlé avec les Jocelyn, entre autres, je trouve que ça a été long, mais au moins, c'est les premiers qui le font. Chapeau, sont c'est cités fait. Par le premier ministre. Go. Puis, anyway, regarde, je ne veux pas repartir comme ça. Je veux saluer le nouveau président de Hockey Québec, Claude Fortin, au passage. Je sais que lui est arrivé avec ses idées et tout ça, puis avec Jocelyn Thibault, là, qui sont derrière cette décision-là qui a été approuvée par tous les membres. C'est souvent on les critique, là, mais quand c'est le temps de souligner leur bon coup, c'est important de le faire aussi, puis on vient de le faire aujourd'hui. C'est fait. Merci, François. Fait plaisir. Bye, François.
Benoît s'en vient. J'ai hâte d'entendre ce qu'il y a à dire sur Logan Mailloux. Oui, il va partir avec ça, c'est certain. Benoît qui va se joindre à la discussion. Merci, François. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. D'ailleurs, on me dit qu'en cours, dans les prochaines minutes, on aura les commentaires de Jean-François Hull, justement, sur Logan Mailloux. Je pense que François, ils ne veulent pas que tu partes et te gardes à l'écran avec nous autres, mais Ben s'en vient dans quelques instants. Le temps de rappeler aux gens qu'on lit vos commentaires. On n'a pas eu le temps de saluer beaucoup de gens là, ce matin parce que c'est allé vite là, avec cette nouvelle d'Hockey Québec. Là, ça a évidemment changé un peu le portrait là, de l'émission. Puis c'est tellement important d'en parler, donc volontairement, on le fait. On va accueillir Benoît Brunet qui s'installe avec nous. Salut, mon Ben. Salut, messieurs, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. On s'excuse, Ben, on te rentré un peu tard avec toutes ces histoires-là de Hockey Canada. Ben Quelle gang de bang Hockey Canada. Non, mais... C'était... Non, mais Yannick, puis Jocelyn, puis le nouveau président, M. Fortin, là, ils avaient assez d'affaires à vous occuper dans le hockey au Québec, là. On n'a pas besoin de ces problèmes-là. J'ai croisé Jocelyn à un moment donné, j'ai dit, toi, t'es tanné, là, tu sais, il m'a dit, ah, j'ai hâte qu'on passe à d'autres choses, puis on est encore là-dedans aujourd'hui. Tu sais, ça va plus loin que ça. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini, non, mais ça va plus loin que ça, Hockey Canada. Tu sais, ça, c'est je peux même pas dire que c'est la goutte qui fait déborder l'eau du vase, là. C'est terrible, là, ce qui s'est passé, là. Mais il n'y a pas juste ça. Ça a été camouflé par quoi? Par la puissance du hockey au Canada. Je vous écoutais parler, là, puis je dis, il faut que j'en parle absolument. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai vécu là, dans les années 80. Je me suis présenté dans des camps d'Hockey Canada junior. Et les Frenchies là, qui traversaient le pont, parce que moi, j'étais à Hull, là, puis camp d'entraînement, si vous êtes à Ottawa, là, je peux te dire qu'on mangeait une claque en tabarnouche qu'on avait de l'autre côté. Il n'y a personne qui nous aidait. Et tranquillement, pas vite, avec les années, on a commencé à engager des Québécois pour venir diriger. On a engagé plus, on a amené plus de Québécois. Mais dans les années où j'étais là, moi, là, il fallait que tu sois bon en tête pour faire le club parce que les Frenchies, on les tassait assez rapidement. Merci. C'est plate à dire, c'est ça. Fait que c'est plein de choses. Là. Puis on est rendu en 2022, puis là, ça commence à sortir. Mais le hockey canadien est tellement puissant. Là. Dans ces années-là, moi, j'ai été coupé, là, ma dernière année junior, j'aurais dû faire le club. Aujourd'hui, avec le recul, là, j'ai pas peur de le dire. Puis là, les gens disent « Ouais, mais t'es jaloux, ta-ta-ta, hey, je peux pas rien dire. » Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils se sont présentés en, je pense, en 87-88, je me souviens même pas où, mais je sais que c'était en Europe. Là. Ils l'ont gagné, mais d'ailleurs, on était tellement fort. Fait qu'ils me coupent ou pas, là. Il y avait assez de bons joueurs dans cette équipe-là pour être capable de gagner. Même par mérite, il y a plein de Québécois comme moi qui ont été coupés au fil de ces années-là parce qu'on les tassait facilement de travers la main. Puis le Boys Club de l'Ouest et de l'Ontario, dans ces moments-là, ils gardaient tous leurs gars, puis c'est eux autres qui passaient. Mario Lemieux a été coupé par Dave King. Mario Lemieux. Voyons donc. C'est pour ça, Ben, que tu ne peux pas chialer. S'il coupe Mario Lemieux. Je suis tellement d'être Mario Lemieux. Non, mais j'avais été au camp estival. J'avais joué avec Joe Sakic et Mark Rickey. J'avais eu un camp du tonnerre. Je connaissais une bonne saison junior. Quand je me suis présenté dans le temps des fêtes, je n'ai pas été moins bon que je l'ai été durant l'été. Il n'y a personne qui a été meilleur que moi à ce moment-là. Mais c'était comme ça. Puis je peux te dire une affaire, un Français dans ces années-là, dans les années 80, qui marchait dans le vestiaire, là, il n'y en avait pas trop qui nous respectaient. La langue. Je parle de la langue. Je peux te dire une affaire qu'il fallait être fait fort. C'est un autre squelette dans le placard. Messieurs. Ouais, c'est un autre squelette, mais ça, c'est encore. Mais tu sais ce qui se passe présentement ou ce qui s'est passé, là, ça, c'est encore pire. Fait que non, c'est juste une petite montée de lait, puis au moins, là, ce côté-là commence à changer. Ça, j'aime ça. Tu sais, il y a des Claude Julien, Dominique Charles. Je ne les nommerai pas tous, là, mais il y a des gars au Québec, des entraîneurs qui ont été choisis. André Tourigny. Claude Julien, c'est un parcours ontarien, mais il dirigeait quand même à Hull dans ces années-là. Là. Mais c'est ça. Puis il y a plus de Québécois qui performent. Puis quand je regarde ça aujourd'hui, les matchs de Hockey Canada Junior, je regarde les Français sur le banc, puis il semble y avoir une belle complicité. Ça veut dire que les jeunes... de ce côté-là, on a évolué aussi. On reconnaît le talent qu'on a au Québec. Mais dans mes années, c'était pas comme ça. Je peux te dire une affaire qu'on... Je vais arrêter là. Hey, Martin, je sais que c'est à toi. Là, juste avant, je veux juste répondre à... Il y a plein de questions sur Facebook, YouTube, de gens qui posent la question, possiblement parce que les jeunes sont dans des structures qui pourraient les amener à participer à ça. Mais puis je veux juste prendre le temps d'y répondre.
Il y a beaucoup de personnes qui demandent, pensez-vous qu'Hockey Canada pourrait suspendre les équipes du Québec lors des événements nationaux, comme exemple la Coupe TELUS, la Coupe du Centenaire au niveau du hockey junior A ou peu importe. Oubliez ça, là, parce que s'il fallait qu'Hockey Canada suspende les équipes du Québec à les aux compétitions nationales à cause de ça, je vais te dire, on va virer le pays à l'envers. Là. C'est impossible, ça ne peut pas arriver, ils ne peuvent pas faire ça. S'ils le font, ben vous verrez à ce moment-là. Une couche sur leur stupidité. Comment? Ça serait de rajouter une couche à leur stupidité. Ben, il faudrait juste prouver qu'ils sont réellement stupides. Ben ouais, c'est impossible qu'ils fassent ça. Si jamais ils font ça, je vous le dis, là, c'est sûr que ça va. Il va se passer de quoi? Là. Ça va aller au-delà du sport, puis au-delà, c'est certain. Non, non, je pense pas que les jeunes. C'est pas à nos jeunes actuellement dans les structures, dans les équipes, à payer pour les mauvaises décisions et mauvaises gestions de Hockey Canada. Là. À un moment donné, il faut être capable de faire la part des choses. Mm-hmm. Je te laisse aller, Martin. Je n'ai assez dit là-dessus. Ouais. Tellement de gens qui réagissent. Honnêtement, le site d'RDS.ca bouillonne. T'sais. André Tremblay qui dit « T'as raison, Ben. » Benoît a tellement raison. Richard Guilbeault. Jean-Luc Pigeon, c'est un régulier. Martin Lajoie également, c'est un régulier. Maxime Saint-Jacques, il pose la question. C'était dans les années 90 pour Ben. Ben a tellement raison. Je viens de Gatineau et je suis un Frenchie pour eux autres. Tellement de réactions aujourd'hui. Puis, tu sais, on n'a pas lu avant, mais quand c'était François aussi sur la réaction de Hockey Canada. Puis, je vous le dis, là, ceux qui disent ah non, on ne parlait pas encore de ça, vous faites partie du problème. Les gens, là, unanimement, il n'y a personne qui dit ah non, changer de sujet, Canadien joyeur. Ouais. Tout le monde dit c'est scandaleux, il faut faire quelque chose. Normand Picard, Hockey Canada, ils sont épais dans le plus mince de son. Et sont des tweets. Des tweets. Des tweets. Des tweets ou des tweets? Des tweets. Go Ben Go, ouais, des tweets. Richard Guilbeault, bref, merci. Merci d'être présent, puis merci de rester avec nous autres, même quand on parle des affaires qui sont un petit peu plus touchées. Ouais. On va faire jouer, Ben, avant de continuer, on va faire jouer un extrait de Jean-François Hull qui va parler de Logan Mailloux, puis c'était ton premier sujet que tu voulais parler, on va revenir avec ça. Là, il est ici présentement pour patiner. Là. Il patine en solo. J'ai beaucoup aimé à Montréal quand il était sur la glace avec les groupes. Là, tu vois que c'est un grand bonhomme qui est capable de patiner. Puis il y a beaucoup d'upside. Puis je pense que c'est un très bon choix pour le Canadien de Montréal. Là. Puis ça va être un bon joueur. Hey, pas facile, obligé de commenter sur un gars qui patine en solitaire. Ma signature de contrat aujourd'hui, hein? Pour Logan Mailloux. Ah oui. Non, mais écoute, moi, j'aborde dans le même sens. J'ai discuté avec François tantôt aussi. Là, il a payé sa dette. Et c'est un geste stupide qu'un jeune posé qui doit regretter amèrement présentement. Puis, je le regarde aller depuis ce temps-là. Puis, écoute, je ne suis pas proche de lui. Je n'ai jamais parlé, je ne l'ai jamais rencontré. Je regarde ce que le Canadien fait avec lui. Je pense qu'il s'en va dans la bonne direction. Il y a des blessures qui l'ont ralenti. J'aurais aimé ça le voir qu'en entraînement, mais. Ça fait partie de la game, mais moi j'ai trois filles. Fait que c'est sûr que ça serait arrivé à une de mes filles. Je ne sais pas si je l'aurais encore géré, mais à un certain moment, il faut que tu passes par-dessus des choses dans la vie. Puis je regarde des joueurs qui ont fait des choses peut-être pas aussi embarrassantes. Là. Je pense juste à Zach Cassian quand il est rentré dans un arbre à 6 heures du matin là, à Montréal. Puis je suis convaincu que le deal qu'il y avait avec Marc Bergevin, c'est que la minute que tu fais une erreur, mon homme, t'es parti, c'est ce qui est arrivé. Il s'est pris en main quand il se retrouvait avec les Oilers d'Edmonton. Je pense qu'il est rendu en Arizona. Là, mais tu sais, il a changé sa façon de se comporter à l'extérieur de la glace puis continuer à vivre son rêve dans la Ligue nationale. Moi, je pense que dans le cas de Logan Mailloux, il faut y aller dans ce sens-là aussi. Là. Il a payé sa dette, il a posé un geste stupide. Est-ce que j'ai aimé ça? Absolument pas. Mais de l'autre côté, il arrive dans son prime là, de... Il faut qu'il continue à progresser, il faut qu'il continue à jouer au hockey, il faut qu'il aille la tête libre pour se concentrer à ce qu'il a à faire. Je suis convaincu qu'il est très, très déçu de ce qu'il a fait. Mais je peux te dire que, tu sais, même moi, à 17 ans, j'en ai fait de niaiserie, 18 ans, puis en tout cas, je prends avancer dans 20 ans, tout ça. Fait que je l'excuse pas, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que tu donnes des deuxièmes chances. Il y a plein de joueurs qui ont eu des deuxièmes chances, dont Cassin. Puis il l'a récupéré, il a récupéré la balle au bon Cashin, puis il a fait des belles choses. Je ne sais pas ce que ça va être après sa carrière, quand il va prendre sa retraite, il va avoir d'autres problèmes, mais les années où il a passé à Edmonton,
il a bien fait les choses. Puis je pense que ça va être la même chose dans le cas de Logan Mailloux. Tu sais, on va-tu l'empêcher de vivre son rêve, puis de jouer au hockey, puis de le laisser aller dans la société, puis de dire dans 5 ans, ce gars-là, il est rendu je sais pas trop où, puis il est déçu, il n'est pas capable peut-être de fonctionner dans la vie parce qu'on l'a empêché de jouer au hockey à cause d'un geste stupide. Moi, je pense que non. Fait que je suis content que le Canadien l'ait signé. J'avais un doute à un certain moment. Je pensais peut-être qu'on était pour l'envoyer sur d'autres sujets. Tu sais, tu l'envoies à Dallas ou tu l'envoies à San Jose, là, quand tu es le troisième ou le quatrième sport dans la ville, là, tu sais, on en parle une journée, puis après ça, on n'en parle plus. Il est dans le marché de Montréal. Le marché de Montréal, c'est complètement différent. On en parle encore aujourd'hui de cette niaiserie-là, après qu'il ait signé son contrat, parce qu'on se dit, ah, ben, ils vont-tu le signer, vont-tu l'échanger, on va-tu le tasser? Est-ce qu'on peut se servir du côté de l'organisation? Hein, nous autres, on l'aime, c'est pas nous autres qui l'ont repêché. Si on avait été là, on ne l'aurait pas repêché. Je ne sais pas. C'est beaucoup de spéculation. Mais je crois à ça, la deuxième chance. C'est un bon joueur de hockey en plus de ça. Fait que, ouais, s'il peut faire avancer comme Cam News, là, aussi, cette façon de voir les choses auprès d'autres jeunes dans la société, là, de servir de Logan Mailloux, ce qu'il a fait, là, de devenir un porte-parole ou d'en parler ouvertement, puis d'aider des jeunes qui ont peut-être des problèmes de ce côté-là dans la vie, bien, tant mieux. Tant mieux, il faut le regarder comme ça, mais moi, je pense qu'il mérite une deuxième chance, puis j'espère que ça va bien aller pour lui dans sa vie, dans au hockey, puis surtout dans le marché de Montréal où il y a beaucoup de pression. Ouais, puis je veux juste, excuse-moi, Yann, je veux juste rajouter, là, comme tu as dit, c'est stupide ce qu'il a fait, puis tu sais, nos pensées vont, un, à la victime, puis on espère que dans la province, ici au Québec, puis dans le pays, il n'y a personne qui se voit des photos d'intimes être baladées à travers les mains des amis de leur chum ou de leur blonde. T'sais. Fait qu'on pense aux victimes. Mais il a payé sa dette. Mm-hmm. S'il était architecte, on le laisserait-tu de finir son diplôme en architecture pour qu'un jour il soit architecte? On dirait, oh non, tu ne peux plus être architecte. Fait que c'est un jeune garçon, il va apprendre, puis je vais rajouter une couche. Servons-nous de son exemple pour éduquer nos kids, servons-nous de son exemple, puis amenons-le à faire des conférences dans des écoles, si on veut. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de Geneviève Janson qui s'est dopée. Pourquoi l'avoir lynché après l'avoir adulé? Puis là, une fois que vous avez tout appris qu'elle était dopée, vous l'avez lynché à un tel point qu'elle est partie vivre ailleurs. Gardez cette personne-là. Elle a fini très longtemps après, je suis d'accord, par avouer ses torts. Mais si Geneviève Janson fait les écoles pour éduquer les enfants, elle dit « Moi, j'ai fait cette erreur-là, je vous le déconseille. » Au lieu qu'on la plante sur la place publique, je pense que c'est la même chose pour Logan Mailloux. En tant que société, plantons pas le kid, il est repentant, il a payé sa dette, servons-nous-en comme exemple pour nos jeunes, que nos jeunes apprennent et ne refassent pas la même erreur. Moi, je pense demain. Vas-y, Anne. Oui. Ça va juste confirmer ce que nous, on a déjà mis de l'avant depuis longtemps, mais qu'il faut que chaque organisation, chaque ligue au niveau mineur, tu sais, quand les jeunes arrivent à 14-15 ans, ça prend de l'éducation, ça passe par là. Il faut éduquer nos jeunes, il faut leur présenter des conférences, les dangers de tout ça. T'sais, les jeunes, quand ils arrivent à 14, 15, 16 ans, ils ne pensent pas à ça. T'sais, on a tous eu cet âge-là à un moment donné, tu ne penses pas à ça, mais quand tu es éduqué, tu es capable d'y penser puis d'éviter de te mettre dans le trou puis de faire des choses qui n'ont pas de bon sens. Donc, je suis d'accord avec vous autres, mais il faut vraiment le partir à la base. Par exemple, Yann. Si tu veux, je vais y aller. Moi, tu vois, ça sera pas long. Ça va prendre 10 minutes de mon temps à chaque équipe. Je vais aller leur faire le discours. Parce que c'est pas de penser aux conséquences, genre tu vas te faire prendre puis tu pourrais perdre ta carrière. C'est la fille a dit non. C'est non. Même si elle t'a guiché, même si elle t'a flatté jusqu'à temps que tu aies l'érection de ta vie. Si elle dit non, c'est non. Pas les conséquences, ta carrière. C'est de respecter l'être humain qui est devant toi. Mais l'encadrement, t'es où? Oubliez pas une chose, oubliez pas une chose, c'est que tu sais, au niveau junior, les joueurs de talent, c'est les kingpins aussi. T'sais, je l'ai vécu moi aussi. Là. Quand des fois, tu peux te penser au-dessus de tout, là, tu sais. Mais quand tu arrives dans la Ligue nationale ou dans les américaines, c'est d'autres choses. Puis c'est là que ça te prend du leadership. Puis moi, je trouve qu'aujourd'hui, les clubs commencent à le faire. Puis je me souviens Sidney Crosby quand il a commencé à débuter sa carrière, il est allé rester chez Mario Lemieux. Tu sais, tu peux pas avoir le meilleur, tu sais, c'est le meilleur exemple à avoir. Tu vas rester chez quelqu'un, tu es jeune, tranquillement, pas vite, il y a un encadrement, comment tu te comportes, comment tu parles aux journalistes, tu sais, tu peux jaser avec, tu reviens après un match, tu t'en vas manger une sandwich au poulet, là, ou whatever, là, avec Mario, tu t'en vas au restaurant, mais tu peux jaser, comment, tu sais. Puis lui, il peut te reprendre sur des affaires. Moi, je pense que ça, tranquillement, pas vite. Puis il y a même à Montréal, je pense que des fois, il y a eu un laisser-aller de ce côté-là, mais je suis convaincu que c'est en train de changer depuis plusieurs saisons. Faut que t'encadres tes jeunes aussi quand ils arrivent dans la Ligue nationale. L'éducation, ça se fait, comme Yannick le disait,
avec des jeunes de 14, 15, 16, 17 ans, mais ça continue à 19, 20, 21, 22 ans. C'est là que ton leadership et tes vétérans sont solides. Mais moi, j'aime ça voir un vétéran qui prend un jeune sous son aide. Tu sais, si Gourlay arrive et fait le club dans la vie de saison, je ne sais pas s'il va être là toute l'année, mais je le sais que David Savard va le prendre sous son aide. J'espère que le Canadien va l'encadrer. Tu manges-tu bien, tu couches-tu de bonheur, tu sautes-tu les couvre-feu, tu as ce que tu as à faire là, pour devenir un bon pro. T'sais. Avant, on était laissé à nous autres. Là. Arrangez-vous, t'sais. C'est votre vie. Tu veux sortir jusqu'à 3 h du matin, chasse jusqu'à 3 h du matin, mais t'as bon d'être là au prochain match. Puis il y a des gars qui ont été capables de le faire, puis il y a des gars qui ont coulé leur carrière à cause de ça. Mais aujourd'hui, l'encadrement est meilleur à tous les estimés. Moi, je suis pas inquiet dans le cas de Logan Mailloux, je suis convaincu qu'il le regrette, puis j'ai aimé ça. J'avais oublié de le mentionner, Martin, quand tu as parlé de la victime, parce que c'est elle qui souffre le plus dans tout ça. T'sais, je sais que Mailloux souffre peut-être un peu, mais lui, c'est pas la victime. La victime, elle va rester avec ça le restant de ses jours. À un moment donné, peut-être que ça va passer, mais c'est dur à accepter. Fait que c'est ça qu'il faut que Logan oublie jamais. Il faut qu'il reste humble, puis il va peut-être en faire des erreurs, mais j'espère qu'il ne fera jamais des erreurs de la sorte. Ça, c'est fini, je pense, dans son cas, mais la victime, elle est encore là, puis les parents sont encore là. C'est pour ça que je le disais tantôt, tu sais, moi, j'ai trois filles, ça doit être dur à gérer quand ça arrive à une de tes filles. Ah, non, il aurait fallu que Logan Mailloux Covid, je te l'annonce. S'il avait fallu. Ça, mais ça, c'est moi. Moi aussi. Jacques Brunet. Aucun lien de parenté avec Benoît Brunet qui y va d'une phrase de son père. « Mon père m'a répété maintes fois ado, quand une fille dit non, tu arrêtes au premier N. » À ça, j'ai répété... Mon père me disait la même affaire, mais de façon un peu plus vulgaire. Mais ça a été le même message. Non, mais ça part avec ce que je disais tantôt, tu sais, l'éducation, tu sais, à la base, ça part avec les parents, là. On va s'entendre, là. Tu sais, c'est les parents, puis après ça, bien, s'il y a du sport qui vient avec les équipes, puis là, on parle de hockey, mais peu importe la discipline, là, s'il y a du sport qui vient avec les équipes, puis des programmes de prévention destinés aux jeunes, destinés aux parents, destinés aux entraîneurs, destinés aux gens des organisations. Tu sais, c'est plus juste les jeunes aujourd'hui. Là. Avant, on disait, il y a un policier qui rentre dans le vestiaire. Je pense dans la Ligue nationale, Ben, c'était comme ça. Tu sais, il y a un gars qui arrive dans le vestiaire avant le premier match, il explique blablabla. C'est plus ça aujourd'hui. Là. Ça part avec la prévention faite aux entraîneurs, faite aux membres des organisations, faite aux joueurs, faite aux parents. C'est tout ça, là. T'sais, c'est plus large, là. C'est ça que je voulais dire tantôt. Mm-hmm. C'est un. Il faut vraiment y aller avec l'enveloppe globale là, de prévention. Ce qui est différent de ce qui se faisait il y a 10-15 ans. Bon, on va revenir un peu à nos sujets hockey. Là. Le temps file rapidement. Il y a plusieurs sujets. Owen Beck, t'as adoré ce que tu as vu d'Owen Beck. Oui, même après s'être fait affranchir hier, je suis convaincu qu'en signant ce contrat, ils ont peut-être dit là, que c'est son dernier match, puis tu t'en retournes chez les juniors, mais vraiment aimé, là, je le regardais encore dans l'ensemble hier, son jeu, là, c'est pas parfait, il a 18 ans, là, mais je le regardais là, solide 2-2 sens de patinoire. J'ai ri quand Martin a dit « Ouais, il est bon, c'est payé ça », puis hier, ça a été un peu plus difficile là, quand il a regardé sa feuille de statistique dans son point de presse, mais... J'ai hâte de voir comment il va progresser au niveau junior. Parce que lui, vraiment, là, il a laissé sa carte de visite. Il a laissé sa carte de visite. Il s'en va chez junior. Il a un but, il a une belle motivation pour revenir au camp d'entraînement l'année prochaine. Puis encore impressionner l'état-major. Mais j'ai trouvé tellement un contrôle sur la glace. J'ai hâte de voir avec la maturité puis l'âge s'il va être capable de continuer de nous montrer ce qu'il a fait au camp d'entraînement. Oui, absolument. Juste le temps de dire salut à nos mères. Bye, man. On continue sur le web. Tellement d'accord. Ça, je l'ai bien aimé. Owen Beck, oui, tu avais raison. Mais tu sais, Martin Saint-Louis, il savait avant le match. Martin Saint-Louis l'avait dit, tu sais, quand il va retourner junior, c'est quoi le leadership qu'on veut qu'il prenne dans le junior, tout ça. Fait que tu sais, Martin l'avait même dit avant le match. Il a eu son contrat. Tu vas jouer le dernier. Peut-être une raison aussi, la déception. Tu sais, même si tu le sais d'avance, même si tu as signé ton contrat, tu as cette petite déception-là. Moi, je pense que ça a un peu rapport avec son jeu, son match d'hier qui est un petit peu en deçà des deux autres, des deux derniers. Puis, si il y en a un qui comprend ça, c'est toi, Ben. Tu sais, on est humain quand tu as la déception, même si tu sais que c'est la bonne chose pour toi, même si tu y attendais, il faut que tu l'avales pareil. Mais je suis convaincu que les partisans, Ben Brunet, Martin Lemay, Yann Lévesque, on va porter attention au box score dans OHL. On va porter attention quand ils vont inviter les gars à Hockey Canada Junior parce qu'on va dire « Oh, Owen Beck poursuit sur sa grosse saison. » Puis là, tu vas à Waikiki. Ouais. Je pense que Kinney va être là. Joshua Roy va être là. Owen Beck. C'est le fun, là.
Non, c'est le fun. Hey, écoute, je ne savais même pas c'était qui quand, avant que je le vois en entraînement. Puis là, le premier match, je le regardais, puis Owen Beck. Puis là, non, mais il a fallu que j'aille voir. La mémoire, c'est une faculté qui oublie. Là, je vais oublier qu'on l'a repêché en deuxième ronde. Je suis allé voir, là, hey, Owen Beck, c'est qui ça? On a nos feuilles, tout ça. Puis on regarde les matchs, puis on prend des notes. C'est ça. Il a laissé sa carte de visite. C'est le fun parce que j'ai hâte de voir le prochain camp. Parce que quand tu regardes un gars comme ça, tu te dis, ça va être quoi là, l'année prochaine? T'sais, quel niveau il va atteindre au prochain camp d'entraînement? Parce que, tu sais, je veux pas faire de mauvaise comparaison, mais je le regardais là à 18 ans, je regardais Jake Evans hier qui connaît un bon match, mais il est un mille en avant de Jake Evans où il était quand il était plus jeune. Là. Il est déjà en avant de Jake Evans. Je parle au niveau, tu sais, je parle de l'âge, je parle pas de jeu de Jake Evans sur la glace cette année, là. Mais il est déjà en avant. C'est pour ça que des fois, tu es excité parce que tu vois que lui, il comprend rien. Il a compris la game. Je le regardais encore hier, même si ça a été un peu difficile. Il comprend la game. Il sait où il doit aller. À un moment donné, il a eu une chance sur le bord du poteau. Bang, il a foncé au filet puis il est allé à la bonne place. Je me dis, oh boy, il est jeune à 18 ans pour comprendre ça puis avoir le gars de le faire puis d'y aller. Puis c'est la même chose avec Goulet. Il comprend la game. Goulet. Quand tu le regardes jouer Goulet, c'est une question de temps. Ah oui, il a fait une gaffe hier, mais il comprend la game. Il sait ce qui se passe autour de lui. Et des fois, tu te fais prendre un petit peu hors position puis tu te dis, ah, mais. Tu sais, quand tu regardes l'ensemble du match, c'est des gars comme ça que je veux qu'on pêche. Là. Et là, des fois, tu comprends la game, mais ça va trop vite. Tu as besoin de temps dans les mineurs. Mais présentement, lui, là, ça allait pas trop vite pour lui. C'était correct. Peut-être un peu trop vite si on arriverait au 10e match de la saison régulière. Pour ceux que tu le renvoies chez les juniors, ça va peut-être être la même chose avec Goulet. Tu vois que c'est des gars qui comprennent. Je ne dis pas que Barron et Harris ne comprennent pas la game. Je pense qu'Harris la comprend, mais lui, il est bon de mineur. Barron, c'est d'autres choses. Hey, en passant rapidement, si je vous écoutais, n'oubliez pas Leskinen. Hein? Parce que mercredi, dans son point de presse, Martin Saint-Louis a parlé de Leskinen. Tu sais, quand vous parlez des défenseurs, je suis le même. Ça, c'en est un, je pense, qui peut commencer à Montréal. Là. Je ne sais pas si on va aller récupérer un gars au balotage. Parce que hier, le seul régulier qui n'était pas là, c'est Madison. Ça va changer la défensive, mais ça ne l'améliorera pas de 15 positions. Là. Fait que Wildman, Savard, Madison. Là, tu y vas-tu avec des Schulman, Leskinen, puis Goulet, puis. Tu dis à tes jeunes, les autres, allez en bas, allez travailler, puis on verra comment les deux premiers mois vont se passer, comment les deux premières semaines vont se passer, comment le premier mois va se passer pour vous autres en bas puis pour notre équipe. Là. Parce que je sens que des rappels là, puis des joueurs différents qu'on va voir durant la saison, on va en avoir beaucoup. Moi, je pense que les gars qui vont aller en bas, là, ils vont y aller pour un bon bout de temps. Puis moi, dans mon temps, ce que le Canadien faisait en tout cas dans les années de Serge Chabard, moi puis Stéphane Lebeau, je pense que j'en ai déjà parlé l'année passée. On brûlait la Ligue américaine. Tu sais, tu regardais les gars en Caroline, pas en Caroline, mais à Hartford, à Buffalo, qui t'a rappelé, puis à Boston, puis on se regardait, puis on disait, hey, ils sont joués pour ces clubs-là, c'est sûr qu'on serait déjà dans la Ligue nationale, ou en tout cas, on aurait un essai. Moi, ma première année, ils m'ont donné deux matchs. Tu sais, ça allait bien l'américaine, bientôt deux matchs, on va te tester, on va voir où t'es rendu. Il avait fait la même chose avec Stéphane Leveau, puis Stéphane lui a fait le club l'année d'après, moi, je ne l'ai pas fait. Mais c'est ça que je veux voir avec le Canadien, tu sais. Je veux pas que. La minute qu'il y en a un qui va pas bien, on amène les jeunes qu'on va faire avant. T'sais, ça presse de ramener des gars, des fois, pour absolument rien. T'sais. Un grand sage, qui, au nom de Guy, qui a déjà dirigé la Ligue nationale, que vous avez souvent à votre émission, me dit régulièrement, tu n'arrives jamais trop tard, mais tu peux arriver trop tôt dans la Ligue nationale. Et c'est ça, je pense, que Ken Hughes et Gorton sont en train de nous préparer. Je sais pas, il y a quelque chose. T'sais, j'écoutais Martin dans ses points de presse, là, il a commencé à parler de Owen Beck. Tu vois son sourire. Puis sa face, ça change. Oh, il a parlé de Leskinen mardi. Ouais, je l'aime, il est confiant, il est en contrôle, il est un petit peu plus vieux, il a de l'expérience. Donc, tranquillement, il est en train de nous préparer à quelque chose. Il nous a parlé d'Harvey Pinard hier dans son point de 13 ans. Hein? Tu as vu le sourire tout de suite quand il a parlé d'Harvey Pinard. Fait que tranquillement, pas vite. Je ne dis pas qu'il va y avoir des surprises, mais tu vois que Martin, tu le sais quand il aime un joueur. Quand il parle d'un gars, tu le sais qu'il l'aime. Ça paraît l'expression faciale ne ment pas. Mm-hmm. Oui, je sais que c'était à toi, Yann, mais je vais te nommer des joueurs qu'il va toujours sourire quand il va en parler. Evans, Rémillard, communément appelé Rem Petit. Rémillard. Gallagher, Harvey Pinard. Les autres, ça va toujours le faire sourire. Et ce genre de joueurs-là, tu vas y voir avec le Canadien dans les prochaines années si Martin Saint-Louis reste. Des joueurs que tu vas voir de moins en moins avec Martin Saint-Louis, c'est les Dadonov, les Hoffman. Il a beau nous dire qu'Hoffman a du talent et tout ça, là, mais c'est pas le genre de joueur que va affectionner. Il n'y a pas grand coach qui affectionne ces joueurs-là.
Puis c'est pas le genre de joueur que Martin Saint-Louis va affectionner. Là, je te laisse tranquille, Yann. Hey, tout à fait. Vas-y, Yann. Non, 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 vas-y, Ben, vas-y, vas-y, enchaîne. Là-dessus, on ben, je sais qu'il reste pas grand temps, là, mais. Je sais qu'il reste pas grand temps. Je voulais parler d'Hervé Pinard. Vas-y. Parce que. Pas de temps. Ben, moi, je vous pose la question. Parce que Pezzetta, là, l'an passé, sous le charme, Big Bang, quand François, il parlait de la boule dans une pinball, là, mais il avait l'air de ça, Pezzetta, mais depuis le camp d'entraînement, c'est tout le contraire, tu sais. Je le regardais hier dans un match où on va affronter là, trois fois, les trois prochains matchs contre les Sénateurs. Moi, je m'attendais à ça, là, que disait toi hier. Bing, bang, rentre dedans. T'sais, il a-t-il atteint son potentiel? Il a-t-il atteint son max? J'en ai aucune idée, mais. Harvey Pinard, pour moi, présentement, il est en avant de Pezzetta quand on prend de la manière qu'il se comporte. Moi aussi, je l'aime. Mais c'est-tu mieux pour Harvey Pinard, les boys? Mais je vais juste finir là-dessus. C'est-tu mieux pour Harvey Pinard? De jouer sur un quatrième trio, être le 13e, 14e attaquant à Montréal ou de jouer avec le Rocket de Laval, vu qu'il y a deux ans, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs avec la COVID. C'est pas facile à répondre, mais il n'y a pas de place. Mais il n'y a pas de place en avant à Montréal. Tant qu'il n'y aura pas de changement, qu'on ne libérera pas, ça va être difficile de garder Harvey Pinard avec le Canadien. Sauf qu'avec ce qu'il fait, les gars, il prouve qu'il peut être rappelé. Oui. Oui, je suis d'accord, mais pour moi, là, Pezzetta, c'est facile. À 7,50, Pezzetta, là, je l'aime, j'ai aimé ce qu'il a fait l'année passée, mais le hockey, là, c'est une business puis c'est une jungle. Si t'en as un meilleur, puis il y a des blessures, puis tu penses qu'Harvey Pinard est en avant, là, Pezzetta, c'est une passe au balotage, puis il y a vraiment un club qui va le réclamer. T'sais, si tu veux faire un trou, là, t'en as un qui peut partir, s'il y en a d'autres qui le poussent. Parce que c'est ça ton rôle comme Jean. T'es au Beck, il est allé chercher un contrat. Harvey Pinard, à chaque fois que je regarde des matchs, je me dis, il peut-il être régulier dans la Ligue nationale? Je ne sais pas encore. Mais tabarnouche, à chaque fois que je regarde les matchs, c'est ça que j'aime d'Harvey Pinard. Fait que Pezzetta, là, Pezzetta, qu'on a vu l'an passé, il ne peut pas t'en donner bien plus qu'il t'en a donné l'an passé. Il peut juste rester stable au même point où ça va baisser dans le cas de Pezzetta. Je ne pense pas qu'il va s'améliorer. Tandis que quand je regarde Harvey Pinard, pas gros, il y a des choses qui jouent contre lui, mais tabarnouche qui se rend un peu partout sur la glace. Fait que, des fois, un peu de millage dans l'Américaine en début de saison, c'est pas une mauvaise chose, mais je suis d'accord avec toi, Martin. C'est un gars qui va être rappelé. J'aime mieux le voir jouer dans l'Américaine qu'être sur le quatrième trio, être le 13e attaquant à Montréal. Ça, je suis convaincu de ça. Mais Pezzetta, pour moi, là, à 7,50, là, tant mieux pour lui, l'an passé, il a fait ce qu'il avait à faire, là, mais on a fini 32e aussi. C'est ça. Tu sais, c'est pas personne qui va déchirer sa chemise si jamais on le perd. Hey Ben, un gros merci. C'était bien le fun. On va peut-être déchirer la chemise sous d'autres noms, mais lui, je pense pas. C'était bien le fun, Ben. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les boys. Salut Ben. Benoît Brunet qui est avec nous. On va y aller, Martin, immédiatement avec nos trois étoiles du jour. Oui, les trois étoiles du jour, la troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Nicolas Jean. La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Jacques Brunet. Et sur YouTube, la première étoile de First Star, Marianne Pelletier. Un gros merci à François Gagnon et à Benoît Brunet qui est avec nous aujourd'hui. Valérie Gautran en réalisation, mise en onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux. Anouk Grillon-Langlais, toute l'équipe dans la salle des nouvelles. Tout un job aujourd'hui. Là, on a réagi à chaud avec des commentaires plein d'extraits. Ouais, donc, ça a été très apprécié encore une fois. Évidemment, à vous tous les jaseux, un gros merci d'être avec nous, de commenter, de nous suivre. Toute la gang de production en régie également, un gros merci. Demain, Guy Boucher et Stéphane White seront avec nous. Oui, absolument. Prenez ce soir de congé. T'sais. Même s'il y a du baseball, c'est pas très significatif. Les Blue Jays viennent d'annoncer que ce sera Alec Manoa qui sera le premier partant pour cette série. Puis je vous en parle parce que la première série des Jays, elle va être sur RDS. Toutes les séries des Jays. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si on c'est fait la Ligue américaine. Ouais? Oh oui, on fait la Ligue américaine. Oui. OK, tant mieux. Fait que ça commence avec Alec Manoa. Les Jays ont annoncé qu'il sera le partant. Mais qu'à ce soir, il n'y a pas d'hockey. Le baseball, il y a un programme double qui joue aujourd'hui, mais c'est pour le fun. Il n'y a pas de football.
Donnez du temps à votre chum, à votre blonde. Revenez-nous reposer demain pour une autre édition d'On Jase. Salut mon chum Yann. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. On se parle demain.